lonai na Yesu ngabo moinanga bana na yumuko kolo kamba bangu. Amen, amen. Nous allons passer à la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Apocalypse, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Père, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père Céleste, toi qui vis au-delà des nuages, des étoiles et des cieux, toi qui vis dans la septième dimension qui est ton trône, nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes de venir encore ce soir dans cette église que tu nous as permis de bâtir pour toi, afin que ensemble nous puissions communier autour de ta parole et adorer ton saint nom. Nous sommes ici, Seigneur, pour adorer ton saint nom. Nous sommes ici pour élever ton saint nom. Et nous sommes ici pour que ta parole puisse nous parler ce soir. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en ce temps du soir, ta bouche a parlé, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, ô Dieu, rentrer dans ce que tu nous as dit en ce temps du soir, car comme nous l'avons lu, le temps est proche. Ainsi, Seigneur, prends le contrôle de cette réunion. Dispose chaque cœur, Seigneur, à ne recevoir que ce qui vient de toi. Ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, puisses-tu ôter cela, que cela ne prenne pas place dans le cœur de tes enfants. Parce que nous sommes ici pour que toi, tu nous parles. Et nous savons très bien, Seigneur, que nous n'avons aucun mérite. Nous venons ici simplement à cause de tes mérites, Seigneur, ton sang précieux qui nous a lavé de tous nos péchés il y a 2000 ans. Que ta présence soit au milieu de nous comme tu l'as promis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ici ce soir pour communier autour de la parole du Seigneur. Et nous continuons toujours avec notre
enseignement sur la divinité suprême. Et nous avons vu le mercredi passé que quand la reine Vasti a rejeté l'appel du roi qui lui a été fait au travers des eunuques, et nous avons compris que ce n'est pas le roi qui vient vers nous. Parce que Frère Branham dit, les types ne mentent jamais. Ce n'est pas le roi qui vient vers nous. Ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra vers nous. Jésus-Christ, on verra toujours des eunuques. Et remarquez que ce sont des eunuques. Et qu'est-ce qu'un eunuque dans la Bible? Un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas de semence, qui ne peut pas procréer. C'est pour ça qu'on laissait les eunuques tout autour de la reine, parce que le roi n'avait pas de danger avec les eunuques. Voilà pourquoi un véritable prédicateur doit être un eunuque. Il n'a pas de semence à lui-même à donner. De toutes les façons, s'il emmène sa semence, ça produira que la mort. Amen. Parce que la Bible dit, toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Seule la parole de Dieu pour vrai. Donc ce n'est pas le roi Assyrus qui est allé vers la reine Vasti. Il a envoyé des messagers. La reine Vasti a rejeté l'appel du roi. Rejeter les messagers, c'était exactement rejeter l'appel du roi. Rejeter un serviteur de Dieu, c'est exactement comme si vous rejetez Dieu lui-même. Vous dites amen? Accepter un serviteur de Dieu véritable qui prêche la parole de Dieu, c'est exactement comme si vous recevez Dieu lui-même. En réalité, nous n'avons pas besoin de voir Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est de recevoir celui que lui l'a envoyé. Il suffit que nous recevions celui que Dieu a envoyé, nous recevons Dieu. Et nous sommes heureux parce qu'en ce temps du soir, nous avons reçu celui que Dieu a envoyé. Et nous avons vu que là, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi la colonne de feu, le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Malachie 4, en ce temps du soir. C'est ça la vie éternelle. Vous pouvez crier que vous aimez Jésus, mais si vous rejetez celui que Jésus a envoyé, vous l'avez rejeté. C'est ainsi que Jésus faisait le reproche aux gens de l'époque, de son époque, qui disaient que nous avons pour père Abraham. Nous, notre prophète, c'est Moïse. Moïse a dit, mais Jésus leur a dit, mais si vous croyez en Moïse, vous devriez croire en moi. Amen. Comment vous croyez en Moïse? Mais Moïse a parlé de moi. Il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Il dit, mais Moïse parlait de moi. Donc, ça ne sert à rien de venir nous dire, non, nous, on croit en Jésus. On croit en Jésus. C'est très bien. Mais Jésus ne viendra jamais à nous comme ça. Il va envoyer ses serviteurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand il y a quelqu'un en face de nous. Nous devons discerner ce qu'il dit. Est-ce que c'est en rapport, c'est conforme à la parole ou non? Et la reine Vasti, nous avons vu qu'elle a rejeté. Et le septième prince, Memucan, qui est le type de Frère Branham, nous avons vu, comme je vous avais dit, le frère Boris m'a fait remarquer que Memucan, c'est 7 lettres. Branham, c'est 7 lettres. Et c'est vraiment le type de frère Branham. Et il a proposé au roi, si le roi serait d'accord, qu'on puisse prendre une loi selon laquelle la reine Vasti ne paraîtra plus jamais devant le roi. Et qu'on trouve une autre vierge, une jeune fille vierge et belle de figure qui prendra la place de la reine Vasti. C'est ainsi que nous avons vu que le roi a envoyé des commissaires. Encore une fois, ce n'est pas le roi qui est allé chercher la vierge qui deviendra la reine dans le royaume des Mèdes et des Perses. Le roi ne part pas. Il envoie ses messagers. Il a envoyé ses commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. C'était les deux critères. Premier critère, vierge, la virginité.
et la beauté du visage. Elle devait être belle de figure. Alors, nous avons vu que qu'est-ce que la virginité? Parce que ici, ce ne sont que des types. N'oubliez pas que le roi Assyrus typifie le Seigneur Jésus-Christ. Et la reine Vasti, nous l'avons vu, c'est l'Église catholique qui a rejeté l'appel du roi. Et le roi l'a rejeté aussi. Amen. Et vous devez savoir, nous l'avons dit, je le redis, mes frères, mes sœurs, dans les histoires de Dieu, il n'y a pas d'irremplaçable. Non, moi je suis, c'est moi. Frère, le seul qui est irremplaçable, c'est le Seigneur Jésus. Lui, on ne peut pas le remplacer. Dès que vous le chassez, les ennuis commencent dans votre vie. Dès que vous le sortez de l'église, les ennuis commencent dans l'église. C'est lui qui est irremplaçable, pas moi. Moi, je vais mourir un de ces quatre matins, mais la parole de Dieu continue. Donc, la reine Vasti pensait que comme elle était reine, elle pouvait faire ce qu'elle veut. Non. Et on a décidé qu'elle ne devait plus jamais paraître devant le roi et on devait la remplacer par une vierge. Et nous avons vu que c'est ainsi que s'accomplit l'écriture qui dit « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » On est allé rassembler les vierges, le maximum de vierges qu'on pouvait avoir. Vierges et belles de figure. Mais dans toutes ces filles-là, ces jeunes filles, il n'y a qu'une seule qui devait être choisie comme étant reine. Vous dites amen? Alors, nous avons vu que le roi exige la virginité. Il ne prend pas des gens qui sont déjà détruits. Et le roi là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons vu que tous ici, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Donc dès notre naissance, nous ne pouvons pas être des vierges. Donc Christ ne peut pas nous choisir. Oh, lui, il doit prendre une vierge. Même William Branham, il est né déjà condamné. C'est un pécheur sauvé par grâce. Vous dites amen? Mais celui-là, il n'est pas pécheur. Lui, c'est-à-dire que la parole, Dieu, s'est transformée, c'est devenu la chair. Or, nous, pour devenir la chair, on a contourné le processus normal. Donc, c'est pour ça que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. La seule manière pour nous de dire la vérité, c'est de dire ce que Dieu a dit. Donc, tous nous étions déjà perdus, voués. Christ ne pouvait pas nous choisir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Personne, par ses propres mérites, ne peut d'ailleurs, tu es déjà né détruit. Comment tu vas redevenir ce que Christ va choisir? C'est ainsi que lui qui a fixé l'exigence, Frère Branham dit, c'est Dieu qui a fixé l'exigence et Dieu a donné le moyen de répondre à l'exigence. Et l'exigence, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ça qui nous transforme de l'état de détruit à vierge devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites amen? Et la nouvelle naissance, personne ne peut se lever comme ça, dire, bon, il appuie un bouton, je suis né de nouveau. Ça n'existe pas. C'est le Seigneur qui nous donne la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui nous introduit dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous vous disons ici, venir à Zabulon, c'est très bien, mais ce n'est pas la fin. À partir de Zabulon, vous devez être connecté à Christ. C'est lui qui peut vous donner la nouvelle naissance. L'Église ne vous sauve pas. C'est l'erreur que beaucoup de gens ont fait. Et c'est pourquoi vous voyez les gens, ils sont plus attachés aux églises qu'à la parole de Dieu. Parce qu'on leur a fait comprendre que ici, là, à Zabulon, mon frère, ma soeur, c'est là où il y a la vérité. Quand vous êtes ici, vous êtes sûr d'aller au ciel. Si vous quittez Zabulon, mon frère, ma soeur, vous risquez d'aller en enfer. C'est faux.
Vous pouvez quitter Zabulon, mon frère. Vous n'irez pas en enfer parce que vous avez quitté Zabulon. Vous dites amen? Vous irez en enfer si vous quittez la parole. Zabulon, ce n'est pas la parole. Zabulon est différent de la parole. Zabulon, c'est quatre murs. Mais la parole, si vous la quittez, vous irez en enfer. Et la parole, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur prendra des vierges. Et nous avons vu que les gens n'arrivent pas à se connecter à Christ, comme le pasteur Caleb nous l'avait lu. Parce que Christ n'est pas la chose vers laquelle on les a dirigés. On les a dirigés vers des dogmes, des credos, des sensations, des expériences, des parties, tout ce qui est contraire à la parole. Et en étant dirigé vers ces choses, mélangé avec ça, Christ ne nous choisira pas. Christ ne nous choisira pas. Lui choisit une vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui est lié uniquement à sa parole. Si nous dévions de la parole, si vous êtes une vierge de Christ, vous n'allez pas nous suivre. Vous dites amen? Ah, ça, on n'entend pas ça dans les églises. Dans les églises, on dit, frère, comme tu es déjà ici, ma soeur, comme tu es déjà ici, c'est fini. Lola et Zaponayo. Non, ce n'est pas l'église qui sauve les gens. Le salut, c'est votre relation à vous avec Christ. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, vous devez être une vierge pour que Christ vous choisisse. Mais la virginité ne suffit pas. Il fallait avoir la beauté. Il fallait être une vierge, mais belle de figure. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur vient prendre les jolies sœurs et les sœurs qui ne sont pas jolies, Christ ne vient pas les prendre? Non, c'est le type de la beauté du caractère. Vous voyez les frères et les sœurs venir à l'église, mais allez surveiller leur caractère à la maison, au boulot, au quartier. Des hypocrites. Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Vous donnez une bonne image à l'église. Et quand vous êtes seul, vous faites autre chose. Mais vous vous moquez de vous. Dieu ne vous choisira pas. Dieu ne vous choisit pas parce que vous êtes dans une église. Non. Et donc, les deux critères-là devaient être remplis. C'est ainsi que nous voyons, même dans le message, beaucoup d'églises ici, c'est devenu des noms blasphématoires. Vous allez voir, non, tabernacle des habitants, donc nous, c'est la parole, tout ça. Mais quand vous analysez les actes qui sont posés, c'est contraire à la lumière qui est, dit-on, levée. Vous dites amen? Vous devez être sans credo. Vous devez avoir le caractère. Mais ces choses-là, c'est le Seigneur lui-même qui les donne. Il fixe l'exigence et c'est lui qui donne les moyens de répondre à l'exigence. Et nous avons vu, vous devez être honnête avec Dieu. Là où vous avez une difficulté, présentez ça à Dieu. Il ne cherche que ça. Le Seigneur ne veut que ça. Là où les enfants d'Israël, quand ils avaient une difficulté, ils criaient. Mais quand ils criaient, la solution n'était pas loin. La solution venait toujours. Le Seigneur n'est pas surpris. Il sait exactement chacun de nous. Il connaît exactement chacun de nous. Quand est-ce que nous venons au monde? Quand est-ce que nous allons quitter? Tous les événements de notre vie, lui, il connaît ça. Donc, il n'est pas surpris. Quand il y a une difficulté qui t'arrive, c'est toi qui es surpris. Lui, il n'est pas surpris. Mais il attend. Devant la difficulté, tu recours à qui? Frère, comme je l'ai chanté, il n'y a pas un obstacle infranchissable à ses yeux. Il n'y en a pas. Mais c'est à vous de l'appeler. Parce que le Seigneur ne nous donnera jamais ce dont nous ne sommes pas conscients. Vous devez être conscient de ce que Dieu peut vous donner pour qu'il vous le donne.
C'est pourquoi il était en train de conscientiser Adam. Il faisait le défilé là, les animaux passaient deux. Oh, à un certain moment, Adam était devenu conscient. Donc le Seigneur ne nous donne pas ce dont nous n'avons pas conscience. Sinon vous allez gaspiller ça. Regardez, vous êtes là, vous ne connaissez pas le diamant. Parce que le diamant brut, ça ne brille pas. Si on prend un diamant brut, on vous donne, tu vas dire, oh, ça c'est quoi? Oh, ah, tu peux jeter ça. Mais celui qui a la connaissance du diamant, mon frère, dès qu'il prend ça, il dit, oh, Nangindi. Donc, la valeur que vous donnez à la chose dépend de la connaissance que vous avez de la chose. C'est pour ça, Dieu, avant de vous donner, il doit vous rendre conscient de cette chose. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons vu que le frère George Smith, quand il est venu voir frère Branham pour demander la main de la sœur Becky, il dit, frère Branham, j'aime votre fille. Je demande sa main. Frère Branham n'a pas dit, tu as combien dans le compte? Tu as combien de millions? Non. Bien que c'est important. Frère Branham lui-même sait comment il s'est marié. Donc il ne pouvait pas compliquer la vie aux autres. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous allez voir, les parents, il s'est marié là, on lui a compliqué la vie, tout ça. Alors il se marie, il devient quelqu'un. Maintenant il y a un pauvre type qui vient là. Alors lui, il commence à lui compliquer la vie. Il a oublié par où il est passé. Le même Dieu qui t'a béni peut bénir le monsieur que tu vois là, simple là. Vous dites amen? C'est cela. Donc George Smith, quand il a demandé la main de la sœur Becky, frère Branham lui a dit, toi tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Va chercher le Saint-Esprit. Frère George Smith, c'est quelqu'un qui était dans le message des années. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il venait à l'église tout le temps. Dieu est puissant, c'est Jésus. Chanter ça, c'est pas ça qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Non, on a besoin des gens pour arranger les chaises. C'est pas ça qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Mais c'est bien, hein, nous voulons les gens qui arrangent les chaises. Hein? Dieu vous bénira pour ça. Mais ce n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Vous dites amen? Alors frère Branham, c'est pour ça que frère Branham, vous ne pouvez pas le comparer à nos pasteurs. Laissez-le. C'est un aigle supérieur. Voilà pourquoi quand il est arrivé au ciel, on lui a dit, frère Branham, nous t'avons préparé un piédestal. Il y a quelqu'un qui lui parlait là. Monte ici. Il dit, mais pourquoi je dois monter? Ce n'est pas frère Branham qui cherchait ça. Comme nos pasteurs aujourd'hui, tout le monde veut être grand. Moi, frère, moi je suis un prédicateur international. J'ai déjà prêché ici, j'ai déjà prêché au Gabon, j'ai déjà prêché en RDC. Non, ce n'est pas ça. Tu as emmené combien à Christ? C'est ça le plus important. Ce n'est pas prêcher là-bas. Tu peux prêcher pour dire des bêtises. Amen. Alors, comment il s'appelle? Nicodème était prédicateur. Il prêchait n'importe quoi. Grand docteur respecté, mais il ne connaissait rien de la parole. Et il y en a beaucoup comme ça. Je parle du message, hein, pas les gens. Les gens du dehors, ils sont en dehors. Ils ne sont pas dans la course. Frère Branham avait la capacité, quand il te voit, Dieu lui révèle ce qui ne va pas dans ta vie. Il dit, George Smith, tu n'as pas le Saint-Esprit. Va d'abord chercher le Saint-Esprit. Il n'a pas demandé s'il avait des milliards. Vous dites amen? Et le frère, donc, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il a commencé à demander le Saint-Esprit. Donc, il devait d'abord être conscient. Et Dieu lui a demandé ce dont il avait besoin. Ah non, la sœur là, elle est dans le message depuis Koukabateke. Ça ne veut rien dire. Frère, nous les anciens de Koukabateke, nous on a reçu le Saint-Esprit depuis Koukabateke. C'est peut-être vrai, mais ça ne veut rien dire. Et nous verrons. Parce que frère Branham dit que le Saint-Esprit se nourrit de chaque parole qui vient de Dieu. Bon, comment toi tu as le Saint-Esprit, tu réunis les Écritures? Non, non. Le Saint-Esprit reconnaît chaque parole. Même quand tu as tort,
Le Saint-Esprit en toi va te convaincre du péché. Tu vas t'humilier, tu dis, Seigneur, j'ai péché. C'est pour ça que vous voyez David, quand Dieu dit, David c'était un homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David n'a pas fait de... Il a fait beaucoup de péchés. Mais David avait la capacité de reconnaître ses torts. C'est ça l'attitude du chrétien. David, dans ton royaume ici, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. Il y avait une personne qui n'avait qu'une seule brebis. Lui voulait organiser une fête, il a pris, il avait lui-même beaucoup de brebis, il a pris l'unique brebis du monsieur là, il a tué pour sa fête. C'est pas normal. Frère, la nature de l'homme c'est toujours condamné. Hein? Il doit mourir. C'est qui? Qui est celui qui a fait ça? Prophète, dis-moi, on va terminer avec lui. Il dit, David, mais c'est ce que tu as fait. Oh, tu as beaucoup de femmes. Si tu en voulais encore, tu pouvais me demander, j'allais ajouter. C'est là où les polygames sont rentrés. Oh non, Dieu a dit, ça c'était l'ancienne alliance. Ça c'est à l'époque où la polygamie était légale. Aujourd'hui, ce n'est plus légal. Aujourd'hui, c'est un homme, une femme. D'ailleurs, Jésus leur a dit non, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce qui a été, qui sera. Frère, nous ne croyons pas à la polygamie. La polygamie est du diable. Frère, pour être polygame, ça veut dire que tu es un convoiteur. Ça veut dire que tu ne te satisfais pas de ta femme que, dit-on, Dieu t'a donné. Or, ce que Dieu a donné satisfait pleinement. Frère, moi je suis satisfait pleinement. Je peux avoir des problèmes avec ma femme, ça arrive, des divergences, tout ça, mais c'est pas, je suis satisfait pleinement. C'est pour ça que vous devez épouser une femme que vous aimez. Vous devez épouser un homme que vous aimez. Le jour où il y aura des tiraillements, c'est cet amour qui va vous garder ensemble. S'il n'y a pas l'amour, terminé. Mes jeunes soeurs, vous écoutez? Épousez celui que vous aimez. Pas celui qui a le plus d'argent. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Si ça disparaît, si c'est ce que vous avez aimé, quand ça va disparaître, le mariage aussi est terminé. Si le frère aussi avait suivi les formes de la sœur, elle est comme ceci. Le jour où il y a le palud aigu qui vient, elle maigrit, il ira dehors. Aimez, épousez celui ou celle que vous aimez. Voilà pourquoi il faut faire la fréquentation. Nous ne croyons pas aux histoires où, frère Sylvain, j'ai vu le songe. La sœur là, on me l'a montré. Ok. Que le songe aussi apparaisse à la sœur. Beaucoup de gens ont été victimes de ces choses-là. Il va fabriquer son songe parce qu'il veut de la sœur. Et ils font le trafic d'influence dans l'église. Et les sœurs aussi, religieuses, ne connaissant pas la parole. Non, sœurs, les vases ont dit. Les vases ont dit que, et moi je vais t'épouser. Si tu refuses, tu refuses le ainsi dit le Seigneur. Sœur, refuse ça. On n'épouse que celui qu'on aime. Et on n'épouse que celui qu'on connaît. Frère, n'épousez pas une sœur parce que vous voyez qu'elle est belle. Vous allez commettre une erreur. C'est pour ça que ici, le deuxième critère de la beauté, c'est la beauté du caractère. La beauté de l'esprit. C'est ça. Ça ne vieillit pas. Si vous avez 12 ans, si vous avez la beauté du caractère, même quand vous aurez 90 ans, cette beauté-là ne vieillit pas. Elle est toujours là. Et c'est ce que Christ cherche. Christ cherche ce qui dure. Christ n'aime pas les trucs faits follets là. Carrière, il a 2 ans, carrière ici. Non, il aime les choses qui durent.
Parce que lui-même, il est un Dieu qui dure d'éternité en éternité. Donc, Dieu ne peut vous donner que ce dont vous êtes conscient. Donc, si vous avez des difficultés, dites au Seigneur, « Seigneur, j'ai telle difficulté, j'ai telle difficulté, j'ai telle difficulté. » Bien-aimé, le Seigneur agira. Je vous dis la vérité, le Seigneur agira. Le Seigneur est là pour agir. Vous pensez que toute la puissance que Dieu a là, il utilise ça. Est-ce que lui va utiliser ça pour se convaincre? C'est pourquoi Jésus disait, Seigneur, je ne parle pas pour moi, je parle pour eux. Ça veut dire que la puissance de Dieu est là. Elle cherche où elle va s'exercer. Dieu ne peut pas rester là, il commence à faire un miracle pour lui-même. Non, il sait qu'il peut le faire. Mais il cherche des gens qui auront besoin d'utiliser cette puissance-là. D'utiliser son pouvoir. Et nous allons voir ça. Et donc, si vous n'êtes pas vierge, c'est-à-dire, vous ne vous mêlez pas au credo et au dogme. Parce que dans le message, il y a beaucoup de dogmes qui sont entrés. Beaucoup. Vous voyez, par exemple, on faisait un débat sur le groupe WhatsApp de l'église. Donc, les frères pensent que quand il y a un débat dans le groupe, les sœurs n'ont pas le droit de donner d'avis. Je dis, mais ça, c'est quel message? Non, la sœur doit se taire là où les frères parlent. Oh, c'est que tu n'as pas d'argument. Bien-aimés, les sœurs que vous voyez là, c'est des filles de Dieu exactement comme vous, vous êtes fils de Dieu. Vous dites amen? Ce n'est pas des sous-êtres. Les sœurs là ne sont pas là pour que nous puissions les piétiner. Non. Ce sont des princesses du Seigneur Jésus-Christ. Donc même quand vous parlez à une sœur, vous devez avoir des égards. Et vice-versa. Bon, comme les gens ont cru au message à gauche, à droite, chacun vient un peu avec sa conception. Mais je crois qu'à Zabulon, on va vous aider à vous reformater. Vous voyez, donc la clé a déjà des mauvais fichiers. On doit d'abord mettre ça. Vous voulez formater? Oui. On formate tout ce qui est mauvais et on met maintenant les bonnes choses. Une sœur a le droit de parler dans un débat de frères. Nous avons suivi la bande ici. Je ne sais plus quel était le titre. Frère Branham a annoncé des versets bibliques. Une sœur, il a demandé à une sœur dans l'église de lire avant que lui commence à prêcher. Vous étiez là, nous avons suivi. Maintenant, vous qui pensez que la sœur ne doit pas parler. Quand Paul dit que la sœur ne doit pas, la femme ne doit pas parler, ça veut dire qu'elle ne doit pas prêcher, c'est tout. Sinon, dire amen dans l'église, elle ne va plus dire amen. Voyez, donc, les gens ont été mal formés. Voilà des dogmes que nous devons bouter dehors. Christ ne peut pas venir te prendre avec ça. Il doit d'abord enlever ça. Parce que toi, tu manques du respect à une fille de Dieu parce que pour toi, c'est une fille. C'est une femme, elle ne peut pas parler. Mais le jour où tu vas te marier, mais il y aura des débats. Frère, avec nos soeurs qui lisent les brochures là, mais tu auras chaud. Tu dis ça, dit non, frère Branham n'a pas dit ça. Non, femme, soyez soumise. Non, toi aussi tu dois être soumis. Oh, les gens quand ils parlent femme, soyez soumise, ils voient seulement la femme dans le mariage. Mais toi aussi dans un certain niveau, tu es femme. Et Christ, c'est lui notre époux. Et quand lui il a parlé, toi tu dois être soumis. Où est charnel? Les frères sont charnels. Hein? Femme, soyez soumise. Alors que lui il est la femme de Christ. Christ dit que voilà ça. Non. Toi tu ne peux pas dire ça. Tu es une femme. Vous voyez? Frère Branham dit, si vous me voyez faire quelque chose de faux ou enseigner quelque chose de faux, venez me voir en privé. Montrez-moi les écritures là où je me suis trompé. Donc ça s'adresse seulement aux frères. Donc il n'y a que les frères qui peuvent venir voir le pasteur. Frère, ça c'est le dogme, on doit balayer ça. Sœur, lisez le message pour que vous ne vous fassiez pas embrouiller. Parce qu'il y a des escrocs hein, qui viennent ici.
On va penser que non, il vient à Zabulon. Il y a des escrocs, des hypocrites ici là. Donc si vous n'êtes pas vigilante, on va vous attraper. Lisez le message. Lisez la parole. Il y a toutes sortes. Quand Frère Branham dit qu'il y a trois sortes de croyants, ne doutez pas. Je vous explique ça toujours. Je crois que le vieux Doumé, le vieux Lazare, il connaît ça. Nous avons un frère, un grand frère là-bas à Zabulon, et il le connaît. Il a lu la brochure, les trois sortes de croyants. Il dit non. On ne peut pas avoir trois sortes de croyants dans le message. Comment? Un message bon comme ça. Non, ce n'est pas possible. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé quelqu'un qui lui a escroqué de l'argent. Comme pour lui, tout le monde était frère. Le gars là est venu, non, bien-aimé, voilà, Lambia. Allez, il a donné. Le frère a disparu, il est parti pour toujours. Ah, mais comment le frère m'a escroqué? Ah, non, je vois que Frère Branham a raison de dire trois sortes de croyants. Frère, quand Frère Branham a dit quelque chose, ne cherche pas à vivre ça pour dire que c'est vrai. Dis déjà que c'est vrai. Parce que ce que Frère Branham dit, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée au travers de lui. Frère Branham prend le soin d'expliquer au temps de Jésus. Il y avait les incroyants, il y avait les simili-croyants et il y avait les vrais croyants. Donc tout ça, Frère Branham explique. Toi, tu dis non, il ne peut pas y avoir trois sortes de croyants chez nous. Il y en a ici ce soir. Qui est faux? Je ne sais pas. Je vous considère tous comme des vrais, mais je sais qu'il y a des faux. Vous dites amen? Et peut-être que c'est moi aussi qui suis faux. Donc il faut aussi me regarder bien. Vous dites amen? C'est ça. Donc le Seigneur ou les commissaires devaient chercher des jeunes filles vierges qui ne sont pas mêlées à des credos, qui sont nés de nouveau. Christ choisit ceux qui sont nés de nouveau. Et la nouvelle naissance vient de lui. Et quand vous êtes nés de nouveau, automatiquement vous avez la beauté de Christ dans votre cœur. Et c'est ça qui va faire que vous soyez éligibles. Vous n'êtes pas encore choisis. Vous êtes éligibles. C'est comme quand on veut faire l'élection présidentielle. Il y a des critères à remplir. Il y a, par exemple, on va dire, bon, la caution, je crois que c'est maintenant 50 millions. Vous devez verser la caution de 50 millions. Vous devez être âgé au moins de 35 ans, je crois. Vous devez être de nationalité congolaise. Parce que si vous êtes gabonais, vous ne remplissez pas les conditions. Donc, vous pouvez être 10 candidats. Vous êtes éligible. Vous n'êtes pas encore élu. Vous serez élu après le vote. Donc, pour être compté parmi les vierges que le roi pourrait choisir, il faut être né de nouveau et avoir la beauté de l'esprit. Ça, ce ne sont que des types. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les sœurs jolies qui entreront. Christ n'a rien à faire avec ça. Amen. Combien de jolies filles sont dans le monde là-bas et font n'importe quoi? S'il cherche la beauté, il va prendre là-bas. Il cherche la beauté du caractère, la beauté du cœur. Alors, c'est ainsi que parmi les vierges qui ont été sélectionnées, il y avait cette jeune fille qu'on appelait Esther. Esther était orpheline de père et de mère. Frère, vous devez être orphelin de père et de mère. Esther est le type de l'église. Parce que si vous avez des attaches, vous serez lourd à manier. Parfois, le Seigneur est obligé de couper tout ce qui peut vous rattacher à quelque chose pour qu'il puisse vous pousser facilement. Donc, entre-temps, le père et la mère d'Esther étaient mortes. C'est pourquoi nous voulons que le père et la mère de Tabernacle de Zabulon meurent pour que Dieu puisse nous pousser facilement. Et donc, elle qui avait perdu son père et sa mère était maintenant adoptée par le pasteur Mardoché. Le pasteur Mardoché
commencé à lui enseigner certaines choses. Et il lui a dit, comme tu es sélectionné, ne parle pas de ton peuple. Ne dis pas tu viens d'où. Garde ça pour toi. Il y a des choses dans la vie, mon frère, ma soeur, qu'il ne faut pas dire aux gens. Même si c'est ton ami, tu as un projet, ne le dis à personne. Frère Branham dit dans le septième saut, il dit, tant que vous gardez ça dans votre cœur, le diable ne saura pas. Parce que le diable n'a pas le discernement des pensées du cœur. Ça, c'est réservé à Dieu. Donc, si tu as quelque chose, tu gardes dans le cœur. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te bouger pour voir ce que tu as. Dès que tu sors ça, c'est là que lui peut maintenant combattre ça. Il y a des choses qu'il faut garder. Ça, je ne dis pas. Ça, c'est mon meilleur ami, je ne dis pas. C'est ma meilleure amie, je ne dis pas. Ça, c'est mon projet. Ah non, tout ça, moi on va venir m'épouser, tout. Tu vas voir seulement quelqu'un, il tourne là-bas, la soeur là, elle est tout ça, voilà. Hein? Le projet est Kenamaï. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai parlé qu'à ma meilleure amie. Qui t'a dit que ta meilleure amie veut toujours ton bien? J'étais en train de lire un frère qui a commenté, parce que c'était en 2020. Quand j'étais en train d'expliquer que vous devez être prudent. Parce que le danger, les gens pensent que comme vous venez ici à l'église, le danger ne peut pas venir de moi, de frère Sylvain. Si, ça peut venir de moi. Si le diable me oint ici, là, et si vous n'êtes pas vigilant, on part tous ensemble à l'extérieur. C'est pourquoi frère Branham dit, vous devez être vigilant. N'avalez pas n'importe quoi. Et j'ai donné l'exemple de Thomas Sankara. Je dis, d'après ce qu'on nous a raconté, quelqu'un des renseignements, je crois, avait dit à Thomas Sankara, ton ami là, Blaise Compaoré, il est en train de préparer quelque chose pour te tuer. Compaoré a dit, si lui fait, il va réussir. Parce que c'est mon frère. Vous voyez? Et il y a un frère qui a suivi cet extrait sur ma page Facebook et il m'a écrit, il a commenté, il dit, frère Sylvain, ce que tu dis là, c'est vrai. Moi, j'ai suivi le documentaire. Un des rescapés qui s'était échappé quand on a tué Sankara et les autres a expliqué ça. Vous voyez? C'est pourquoi nous à la cité on dit pire à Boma pire. Ça paraît un peu bizarre là. Mon frère, les enfants de la cité ont des philosophies très fortes. Pire à Boma pire. Donc, Hermorobe pire, Bombelae Makamoussou. Ne dites pas. Dès que vous le dites, c'est là où on peut vous combattre. Et le pasteur Mardoché a dit, celle au sujet de tes origines, ne le dis pas. Ça peut te desservir. Et quand Esther a été choisie, à un moment, le travail de Mardoché s'était arrêté. À un moment, le travail du pasteur ici s'arrête. Les vierges n'étaient plus sous le contrôle de Mardoché, mais sous le contrôle de Gaï. C'est lui qui avait la supervision sur toutes les églises, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ici, nous, on peut prêcher, mais à un moment, le Saint-Esprit doit nous récupérer tous pour avoir la supervision sur nous. C'est pour ça que nous ne vous dirons jamais, frère, le tabernacle des Abilons, c'est la seule église vraie au Congo. C'est faux. Le jour où je dirai ça, dites que frère Sylvain, c'est perverti. Je ne dirai jamais une chose pareille. C'est une hérésie. Vous dites amen? Nous ne pouvons pas être les seuls vrais. Élie a dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, je me suis réservé 7000. Toi, Élie, tu ne connais pas. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu ne manque pas de témoins. Et ils étaient au pluriel. Vous dites amen? Si votre église vous dit que nous sommes les seuls vrais, quittez cette église-là. Je le dis clairement. Sortez du milieu d'eux. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Même frère Branham qui a réceptionné le message pour notre génération, il n'a jamais dit, venez au Branham Tabernacle tous. Jamais.
Quand les gens croyaient le message, ils veulent maintenant adhérer au Branham Tabernacle. Frère Branham dit non, allez témoigner de la vérité là où vous priez. Amen. Frère Branham ne cherchait pas le nombre de gens. Frère Branham n'était pas un commerçant comme beaucoup de nos pasteurs ici. C'est le commerçant. Plus il y a des gens, plus il y a des calculs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 300. Alors, il fabrique quelque chose. Non, il faut faire ceci. 1000 francs, 1000 francs. Frère, vous devez donner à Dieu. Donnez à Dieu, Dieu vous bénira. Vous donnez, ça prend d'autres directions. Et on ne rend pas compte. Quand nous rendons compte ici, on met ça sur Internet. Il y a quelqu'un qui est venu écrire. Non, ça c'est le problème de votre église. Pourquoi vous mettez ça sur Internet? Oh, bien-aimé. Mais on doit vulgariser ce qui est positif. On cache ce qui est mauvais. Mais ce qui est positif, on doit vulgariser. Montrer que non, on fait le compte rendu. Nous avons eu 3 jours d'action de grâce. Les frères et les sœurs ont contribué. Mais on doit leur dire combien ça a fait et comment on a dépensé. Mais en français, on appelle ça de l'argent public. L'argent de l'église n'appartient pas à quelqu'un. L'argent de l'église appartient à l'église. Et l'église doit savoir comment on utilise ça. Oh non, mais ça c'est le problème de votre église. Gardez ça pour vous. Non, nous on doit partager ce qui est bien. Il y a un frère qui a suivi ça en Chine. Il dit, ah frère Sylvain, toi parfois tu es un peu compliqué, mais accepte. Moi depuis la Chine, là, de temps en temps je vais t'envoyer mes offrandes. Parce que là j'ai maintenant confiance. Je vois qu'il y a le compte rendu. C'est bon. Bon, je m'arrête ce mot-là parce qu'il a dit autre chose aussi. Alors donc, toutes les vierges étaient sous la supervision de Gaï, qui est le type du Saint-Esprit. Lui, il a pris le contrôle de toutes les vierges. Et parmi les vierges, le roi Assyrus devait choisir une seule. Et par la grâce de Dieu, Esther trouva grâce d'abord devant Hegai. C'est ce que la Bible dit. Et chaque vierge passait chez le roi. Et le roi regardait, quand ça n'attire pas son attention, il laisse. Et jusqu'à ce que Esther, Hadassa, est arrivée. Et elle a attiré l'attention du roi. Et le roi a décidé de la prendre comme étant sa reine. Donc, n'oubliez pas, premier critère, être en dehors de credo, être né de nouveau pour que Christ nous choisisse et avoir le caractère chrétien. Et ce caractère chrétien, c'est Dieu qui nous le donne. Et souvent, il nous le donne au travers des épreuves. Parce que Frère Branham dit, le caractère n'est pas un don. Le caractère est une victoire. Amen. Tu veux être patient, Dieu va te donner des épreuves. Amen. Quand tu es impatient là, tu tombes. Jusqu'à ce que tu comprendras que tu dois être patient. Parce que ton impatience joue contre toi-même. Tu vas faire l'attention, tu vas faire ceci. Tu ne vas plus manger, tu n'as plus faim parce que tu es un impatient. Et ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes des impatients. Sœur, je veux te fréquenter. Non, frère, donne-moi 6 mois de prière. Oh, comment 6 mois? Oh, mais pourquoi pas 6 mois? Tu es pressé, pourquoi? Non, sœur, frère, j'ai besoin d'un an pour réfléchir. Ah, sœur! Et c'est là où les prédications sortent maintenant. Le temps de décision. Yeah. Toi, tu connais. Toi, tu maîtrises le temps et les circonstances. C'est pas toi. Laisse la sœur réfléchir. Tu es un impatient. Alors, l'impatience montre déjà qu'il y a quelque chose de faux. Parce que la Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Tu resteras calme. Seigneur, je m'attends à toi. Nous sommes devenus beaucoup d'impatients.
Surtout les pasteurs. Ah, des impatients. Ils font semblant à la chair ici, mais c'est des impatients. Comme un frère m'expliquait, il a mis un statut sur son WhatsApp. Il disait, ah frère, les jeunes, faut lire la parole vous-même pour que les anciens ne puissent pas vous embrouiller. Il y a un pasteur qui lit le statut là. Ça veut dire qu'il n'a pas pu supporter. Il réagit au statut. D'un petit, hein? Oh non, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes des critiqueurs et tout ça. Le frère lui dit, oh, critiqueur comment? Nous, on dénonce ce qui ne va pas. On n'est pas contre les gens, mais on est contre les pratiques. C'est différent. Oh non, mais il faut venir voir les anciens pour leur parler. Oh, comment voir les anciens pour leur parler? Frère Branham dit, vous avez le droit de critiquer ce qui est critiquable. Donc quand Frère Branham attaquait l'église catholique, il allait voir les prêtres. Non, vous adorez Marie, donc il faut qu'on traite d'abord. On ne traite pas, on frappe. Vous savez que ce que vous faites là est faux. Donc tu vois qu'il n'y a même pas la continence. Un statut d'une brebis qui est d'une autre église. Toi, pasteur d'une grande église, tu réagis à ça. Vous sentez qu'il n'y a pas de caractère. Et leurs brebis seront comment? Donc Esther a été choisie parce qu'elle a rempli les deux conditions de la virginité. Être hors des credos et des dogmes. Et avoir la beauté du caractère. Cela a attiré l'attention du roi. Et elle trouva grâce aux yeux du roi. Et elle fut choisie comme la reine à la place de Vasti. Et la Bible dit que Mardoché était toujours là dans les parages. Et un jour, il y a eu deux eunuques qui étaient en train de comploter pour faire du mal au roi Assyrus. Mardoché a écouté ça. Il est allé rapporter à la reine. Et la reine a fait part au roi. Et quand on a vérifié, c'était vrai. Ces gens-là ont été exécutés. Et la Bible dit que ce que Mardoché avait fait était mis dans le livre de souvenirs. Vous dites amen? Frère, ce soir, je vais vous dire que Dieu a un livre de souvenirs. Chaque fois que vous prenez position pour la parole, Dieu met ça dans son livre de souvenirs. Chaque fois que vous faites du bien à l'un de ses petits, Dieu met ça dans son livre de souvenirs. Il se souviendra de vous un jour. Frère, ne pensez pas que Dieu ne sait pas. Je vous ai dit que Dieu n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris. On vient là, il n'y a pas de courant. Dieu savait qu'il n'y aurait pas de courant. C'est nous qui sommes surpris. Vous voyez? Dieu n'est surpris de rien. Parce qu'il est, il connaît la fin avant même le commencement. C'est ça qui fait de lui Dieu. Donc Frère Branham n'est pas Dieu. Vous comprenez? Il ne peut pas être Dieu. Il ne connaît pas la fin avant le commencement. Seigneur Jésus, je veux aller. Comment ça va se passer là-bas? Alors, ça c'est un Dieu? Non, laissez Frère Branham tranquille. C'est notre précieux frère, même s'il est un peu élevé. Donc, on a mis dans le livre des souvenirs ce que Mardoché avait fait. Et un jour, le roi était en, il n'avait rien à faire. Il commence à lire le livre des souvenirs. Il commence à parcourir. Et il tombe sur l'histoire de Mardoché. Il dit, oh, ça c'est Mardoché, il avait fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour le récompenser des bienfaits qu'il avait fait pour le roi? Oh non, on n'a jamais rien fait pour lui. Oh, comment? Pendant ce temps, il y a Aman qui était en train de chercher les moyens d'exterminer non seulement Mardoché, mais tout le peuple juif qui était là-bas dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et la Bible dit que quand Aman venait, tout le monde se mettait à genoux. Mais Mardoché savait que leur Dieu, c'est le feu. Et il avait interdit que les genoux d'un homme
fléchissent devant un autre homme. Vous dites amen? C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes du tabernacle de Zabulon, sœur, terminez les histoires, la dot, vous devez vous mettre à genoux pour donner la boisson aux frères. Pas question. Dites amen. Oh. Dites amen, messieurs. Vos genoux fléchissent devant Dieu. Ah non, c'est la coutume. Vous êtes de la coutume? Le message est venu nous sortir des coutumes et des traditions des anciens. Ne vous mettez pas à genoux. Si aussi le mariage n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Dieu mettra ça dans le livre des souvenirs. Que vous avez refusé le mariage pour donner gloire à son nom. Et il vous bénira. Ne privilégiez pas le mariage devant la parole. Dites amen. Non, mes soeurs, dites amen. Voilà. Et donc, Mardoché refusait de s'agenouiller. Et ça énervait Aman et il cherchait maintenant comment faire du mal à Mardoché et au reste du peuple d'Israël. Mais entre-temps, le roi, en consultant le livre des souvenirs, s'est rendu compte que, oh, mais regarde ce que Mardoché avait fait pour nous. Et il n'a rien eu comme récompense. Alors il appelle Aman. Aman, viens ici. Mon roi, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Alors lui, il a compris que c'est lui. Frère, comme on dit en français, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Il dit, le roi, l'homme que tu veux honorer, tu dois lui donner ta robe. La robe du roi. Tu dois lui donner un cheval. Il monte dans ce cheval royal. Et on doit se balader avec lui dans le royaume. En criant, voici l'homme que le roi a honoré. Voici l'homme que le roi a honoré. Voici l'homme. Frère, faites attention. Je vous ai dit, il n'y a pas d'irremplaçable. Quand Dieu prépare les choses, vous pensez que ça ne peut tomber que sur moi. Ça ne peut tomber que sur moi. Faites attention. Je cherche cette citation que j'ai lue il y a longtemps. Je cherche ça, je ne trouve pas. Frère Branham dit qu'il y avait un pasteur qui avait un grand ministère. Il prêchait la parole et les gens étaient bénis. Quand il est mort, il est arrivé au ciel. Et il a vu, il y avait deux couronnes. Il y avait une petite couronne et une grande couronne. Et lui, comme il était pasteur, il avait prêché avec puissance. Et son ministère était terrible. Et il s'avançait directement vers la grosse couronne. Il arrive. Il veut prendre. On dit, non, 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 ça c'est pas pour toi. Oh, comment? Il dit, ça c'est pas pour toi. Mais Seigneur, c'est moi le pasteur. J'ai prêché la divinité du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prêché sur quoi repose notre foi. J'ai prêché sur le courage du héros, la séparation, tout ça. Les gens ont eu les yeux ouverts. Seigneur, ça c'est pour moi. Il dit, ne touche pas à ça. Prends la petite couronne. Oh, comment Seigneur? Moi? Il dit, tu vois, la grosse couronne là, tu connais la sœur X qui était dans ton église? Il dit oui. Il dit, tout ce que tu voyais dans ton ministère, c'était les prières de cette sœur. Donc ton ministère est le résultat des prières de cette sœur-là. Alors qui est grand entre la personne qui a produit les résultats et toi qui exerces? Il dit, c'est la sœur-là. Laisse ça. La sœur va prendre la grosse couronne. La sœur est venue gaillardement. Elle a pris la grosse couronne. Vous voyez? On parlait tout à l'heure. Vous qui pensez que les sœurs n'ont aucune valeur, détrompez-vous. C'est des filles de Dieu. Le pasteur a eu la petite couronne. Hein, le pasteur, le grand. Il a eu la petite couronne. On dit, prends la petite. Lui ne savait pas que le résultat de son ministère, c'était les prières des saints. C'est pourquoi moi je sais. Nous sommes en train d'évoluer ici, c'est parce que vous priez. C'est parce que vous priez. Je sais que vous priez pour cette église.
Et c'est ça qui donne les résultats ici. Donc, Egaï, non, Aman, il dit, l'homme que le roi veut honorer, on doit lui donner la robe royale. Et puis, un cheval royal. Or, comme je vous l'ai dit, le roi ici, c'est Assyrus. C'est le type de Christ. Donc, si Dieu veut vous honorer, il vous donnera ces deux choses-là. Vous dites amen? La robe, là, c'est la parole. C'est la parole. Parce que c'est la robe dont le roi lui-même est vêtu. C'est le Saint-Esprit. Celui que Dieu veut honorer, il lui donne pas le cadillac. Dites amen. Les gens ont mal compris l'élévation. L'élévation, ce n'est pas construire une maison à 15 étages, dit amen. Ce n'est pas rouler dans une Cadillac. Ce n'est pas rouler dans une VX. C'est que vous avez la robe royale. La robe royale, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Et le cheval... Frère Branham dit, chaque fois que vous lisez dans la Bible une bête signifie une puissance. Le cheval, là, c'est la puissance. Mais c'est la puissance qui vient de Dieu. C'est pourquoi moi, je ne crois pas qu'un chrétien peut être sans puissance. Parce que Frère Branham dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. À l'image et à la ressemblance. L'image, c'est le caractère. Et la ressemblance, c'est la puissance de Dieu en vous. Frère, aussi faible que vous êtes, vous pouvez chasser un démon de cancer. Dites amen. L'homme que Dieu veut honorer, il lui donne son esprit. L'homme que Dieu veut honorer, il lui donne sa puissance. Vous aurez vos VX, ce n'est pas ça qui fait que vous soyez grand devant Dieu. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, combien de païens nous connaissons? Tu rentres dans la... Donc, il a toute une parcelle là où il a garé le véhicule. Et il peut faire 2 ans, il ne roule pas avec un véhicule, tellement il y en a beaucoup. Et vous pensez que c'est ça l'élévation devant Dieu? Non. Ce n'est pas ça l'élévation. Ce n'est pas ça un homme que Dieu a élevé. Il peut avoir ça. Mais ça, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a élevé. L'homme que Dieu veut élever, il lui donne une robe royale. Et il marchera sur le cheval royal. Vous aurez l'esprit et la puissance de Dieu avec vous. Et quelqu'un sera devant en train de crier. Voici l'homme que Dieu a élevé. Voici la sœur que Dieu a élevée. C'est ça que nous voulons ici dans cette église. Que le Seigneur remplisse chacun du Saint-Esprit. Que le Seigneur remplisse chacun de sa puissance. Pour que nous soyons une armée invincible. C'est cela. Nous ne sommes pas ici pour prier le Seigneur. Donne-nous des VX. On n'a pas besoin de ça. Même si vous marchez à pied, mon frère, ma soeur, vous pouvez être un homme ou une femme que Dieu a élevé. William Branham, c'est un homme que Dieu avait élevé. Un homme que Dieu a honoré. Voilà pourquoi jusqu'à ce soir, nous quitterons la terre. Le nom de Branham sera toujours cité. Frère, allez chez les pentecôtistes. On ne parle pas de leur père spirituel comme nous, on parle de notre père spirituel. Les gens, ils vont faire des prédications. Ils citeront jamais, oh, Jimmy Chouagat, oh, Oral Robert, oh, Tommy Osborne. Ça n'existe pas. Ils prêchent leurs histoires, ils prêchent. Personne n'amène à bien. Ndego, personne n'amène à bien. Personne n'amène à kilo. Mais nous, on ne peut pas faire une prédication sans dire, Frère Branham, dit.
Parce que c'est un homme que Dieu a élevé. Nous avons vu l'Esprit de Dieu en lui et nous avons vu la puissance de Dieu en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche ou berceau. Lui, roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui. Oh, oh il est. Oh c'est là. Et Jésus. Oh bonheur. Jésus-Christ, notre Dieu, chaque verset dans la Bible parle de toi. Chaque grand personnage
a typifié dans le passé ce que toi tu devais être. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de cette histoire d'Assyrus dans son royaume et la reine Esther, nous ne pouvons que voir Christ rendu manifeste dans ce qu'il fait en ce temps du soir. Seigneur, tu ne viens pas choisir les gens qui sont mêlés au credo et au dogme. Tu viens choisir une vierge spirituelle devant toi. Et comme nous l'avons dit, Seigneur, nous sommes nés déjà dans le cachot. Nous ne remplissons aucune des exigences que toi tu as fixées. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que celui qui a fixé l'exigence a pourvu aussi les moyens de remplir ces conditions. Voilà pourquoi, Seigneur, si ce soir nous ne sommes pas nés de nouveau, baptise chacun ici du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans nos vies produira la vie de Christ sans que nous puissions forcer quoi que ce soit. Parce qu'un chrétien ne fait pas des efforts pour montrer qu'il est chrétien. Il vit sa propre vie. Un païen ne fait pas des efforts pour aller pécher. C'est sa nature. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes à toi ce soir. Nous savons que nous avons beaucoup de défauts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous venons chaque soir ici à l'église. Pour que toi qui es le potier, tu puisses nous donner la forme que toi tu veux. Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit, ta puissance est là pour être au service de ton peuple, pour confirmer que toi tu es le véritable et l'unique vrai Dieu. Ainsi, Seigneur Dieu notre Père, accorde-nous d'être soumis à ta parole. Accorde-nous d'être soumis à ta volonté. Car c'est ce que tout croyant doit aimer et accepter. Tu avais dit à tes disciples, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est déjà établie au ciel. Et le ciel consiste en la parole, a dit frère Branham. Ainsi, Seigneur, nous avons compris que si tu veux nous élever, nous, frères comme sœurs, tu nous baptiseras de ton esprit. Tu nous revêtiras de ta robe qui est la parole rendue manifeste. Et tu nous donneras cette bête-là, le cheval, qui est la puissance de Dieu dans nos mains. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant que tu aies dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là en eux. Et ce soir, quel que soit le démon qui est ici, je le dis solennellement, au nom de Jésus-Christ, toi démon, quel que soit ce que tu es, si c'est un démon d'impudicité, si c'est un démon d'adultère, si c'est un démon de mensonge, si c'est un démon, quel que soit qu'il soit, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Ce nom est plus que puissant. Ce nom ne connaît jamais d'échec. Accomplis le Seigneur pour que nous puissions recevoir les témoignages que ton nom est toujours efficace. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis le retour de chacun. Accorde-nous ta grâce. Que notre cœur soit jamais lié à ta parole et à la crainte de ton nom. Bénis le service des offrandes. Nous nous remettons entre tes mains pour le programme de dimanche à Holiness Tabernacle pour que tu puisses encore nous parler ce jour-là. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Car toi seul, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'élévation. Tu es digne d'être loué au siècle des siècles. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Saint des Saints. Gloire à toi, le grand Elohim qui s'est manifesté en ce temps du soir au travers d'un prophète. Et tu es ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Parce que tu ne changes pas et tu ne changeras jamais.
béni sois-tu, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui ont reçu cette parole avec joie. Accorde à chacun le désir de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, dimanche